Nous nous trouvons actuellement devant une clinique mobile où des agents de santé sont venus auprès de la population se trouvant dans un village loin du centre de santé. L'UNICEF et ses partenaires travaillent en première ligne pour soigner et vacciner les enfants, dépister la malnutrition et consulter les femmes enceintes après le passage du cyclone Freddy. La malnutrition aiguë menace les enfants à Madagascar. L'île fait désormais parmi les 15 pays les plus durement touchés par la crise alimentaire et nutritionnelle. Selon les prévisions, 115 000 enfants auront besoin d'un traitement contre la malnutrition en 2023 dans les régions du Grand Sud-Est. La situation pourrait s'empirer après le passage du cyclone Freddy. Les actions comme celle-ci sont décisives pour sauver la vie de ces enfants.